Et salut tout le monde! Quand on s'est quitté dans le dernier épisode, j'étais en train de faire toutes mes recherches là. D'ailleurs, je suis arrivé pas trop loin. Là, je suis en train de rechercher le petit buggy. Là, c'est les explosifs. Là, j'ai fini. Là, il me manque quelques trucs. Mais je suis bloqué. Et il faut que je débloque ceci. Mais pour faire ça, je suis bloqué parce que ma production de plaques en fer, comme vous pouvez voir ici, elle est vide, elle n'est pas assez rapide. Et en conséquence, j'ai le quartz là, et ben j'étais obligé de m'arrêter là parce que j'avais plus de plaques en fer. Et même ici, pour remonter les câbles, j'ai pas pu continuer. J'ai un gros problème de fer. Lui, il va pas assez rapide. Et pour l'instant, je sais pas quoi faire. Par contre, j'ai localisé, si on va vers ici un peu, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 champs de fer. Quoi, mine de fer. Et j'hésite. Soit je cultive ici, mais tout ça c'est du impur. Alors, soit je cultive là, ou je fais une séparation ici, et je vais dans un autre truc comme ça, que je pourrais après refoutre ici, sur lui. Mais pour faire ça, je sais pas si mon mineur il va tenir le coup. Mais il n'y a pas de problème pour ça, parce que si on monte là, si on met juste ces rotors qui manquent, on va débloquer ça. Et aussi on pourra passer à ici, et là on peut débloquer le mineur niveau 2. Alors il va être deux fois plus rapide que celui que j'ai déjà en place, et ça va donner assez de ressources pour en avoir deux, je pense, à fond de boîte. Alors je pense que je vais faire ça, parce que le gros problème d'aller miner là-bas, c'est que dans tous les cas, j'ai plus de plaques en fer. Alors je peux rien ramener ici pour l'instant. Je suis obligé de me servir de ce que j'ai ici pour remonter la production que j'ai déjà. Et après on pourra avoir de ramener peut-être des ressources de là-bas pour augmenter le rendement. Pendant mes recherches avec le MAM, j'ai débloqué quelque chose de très sympathique. C'est ces jambes mécaniques où je prends pas de dégâts si je tombe de tout là-haut. Je peux courir plus rapidement et je peux faire des super sauts. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Et aussi un autre truc, c'est ces poteaux niveau 2. Non, ça c'est un niveau 1. Il y a un niveau 2 vers ici. Et on peut avoir jusqu'à 7 connexions dessus au lieu de 4. Alors en attendant, je pense que je vais trouver toutes mes ressources pour finir ça. On va monter de niveau et après je vais continuer à avoir mes ressources. Je ferai tout à la main, malheureusement, pour le moment. Et je ferai toutes mes ressources pour avoir lui, pour débloquer ce mineur niveau 2. Et après, on pourra jouer avec déjà le fer. Il faut augmenter la production là, parce que ça va vraiment pas. Il me faut des plaques en fer. Et après, on pourra jouer avec l'acier et le mettre je sais pas où. Et on verra comment ça marche. Peut-être après, à ce point-là, je pourrais chercher les ressources de là-bas. Les faire venir ici avec le charbon qui se trouve juste en dessous la plateforme là-bas, et on pourra faire notre production en acier ici. C'est une idée. Alors pour l'instant, je vais m'occuper à finir à récolter toutes ces ressources pour monter le niveau, et aussi une fois après qu'on aura l'acier, on pourra continuer nos recherches avec le MAM. Bon, mais voilà, c'est un peu mise au point. Alors moi je vais attaquer à faire tous ces rotors à la main, et on se retrouve après pour moi, mais pour vous ça va être instantané. Et de 1, parfait, on passe au suivant, et ça c'est fait. Là j'hésite si je continue. Si je continue pour avoir ça niveau 3, oui, je pense que je vais le faire. Tant que je suis, je vais le faire. Parfait, 200. Et on donne ça. Et au suivant. Et avec ça, il faut que j'augmente ma production de fer pour les plaques. Et que je commence à faire tout ce qui est installation pour l'acier. Alors il faut que j'essaye de voir si je prends sur lui. Est-ce que j'aurai assez pour faire de l'acier de ce côté ici là? Il faut que je vois tout ça. Je vais jouer avec tout ça et on va voir comment ça se présente. Bon, je suis arrivé à augmenter ma production de fer juste en le coupant en deux à l'arrivée et le rejoindre. Pour l'instant ça marche. Et
Alors, je pense que toutes les ressources de fer impur là-bas, je vais les ramener, une fois que j'aurai assez de ressources, je vais les ramener ici, je vais les mélanger avec le charbon pour faire sa propre ligne. Et ça, je vais le laisser tout seul à faire son truc. C'est parfait. Mes usines à acier, ils sont en place et il y a les coffres. Alors là, avec tout ça, on peut monter de niveau et commencer à mettre en place tout ce qu'il nous faut pour passer en phase 2 pour lui là. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé avec le MAM, avec mes recherches. J'ai fini pas mal de trucs. Il m'en reste encore quelques-uns là où je pourrais avancer, mais les autres, je suis un peu bloqué. Il me faut soit du pétrole ou des choses comme ça. Mais ça avance, ça avance. Prends tout. Ça y est, j'ai tout débloqué. Alors là, il faut vraiment se concentrer sur la phase 2 de l'ascenseur. Faire tout ça pour débloquer encore deux niveaux. Et après, il faudra faire phase 3 pour débloquer tout le reste. Ouh, ça avance. Mais là, ça va être long. Alors, il faut que je mette en place des machines pour arriver à compléter phase 2. Alors, ces grilles, je ne sais pas du tout comment on les fait. L'assembleur. On va mettre ça vite fait et on va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, on peut faire ça. Ok. Ça c'est ça et ça. Ok. Parfait. C'est la même machine pour faire ces trucs. Pour faire ces trucs, c'est câbles et les strators. Et j'ai pas assez de ressources pour faire un deuxième. Alors je vais faire ça et je vais juste ramener les ressources vite fait dans ces deux machines pour compléter phase 2. Là. Oh, c'est le grave, grave bordel là. Ah, c'est beau, hein. Ah, il y a des tapis roulants qui viennent de tous les endroits. Mais bon, il faut passer aux phases 2. Hein. Il faut passer aux phases 2. Alors pour l'instant, on va faire ça. Et peut-être je vais faire en sorte de faire ça un peu mieux, un peu plus joli. Que ces fabrications soient un peu plus permanentes. Ça serait bien. Et j'ai aussi décidé que... Bon, là, j'ai complètement foiré. Lui, il n'est pas du tout aligné avec les autres. Ça me stresse. Il faudra que je change ça. Et aussi, j'ai décidé que les coffres dans ce sens, ça marche pas du tout. C'est mieux comme ça. Parce qu'après, on peut faire ça pour aller au-dessus. Bref. Ah non. Ça, c'est en route. Et on va passer vite fait aux phases 2. Et après, phase 3. Et on pourra continuer tout ça. Là, maintenant, il faut juste... Que, en attendant que ça avance, que moi je range un peu tout ce bordel alors. Parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. C'est toujours un peu le bordel, mais pour l'instant ça marche. Et on va faire ça juste pour passer aux phases 2 et après on va ranger ça un peu mieux. Et là, du coup, pour le moment, pour passer le temps, je vais attendre, je vais tabaneiger un peu. Et on se reprend une fois que ça a fini de remplir tout ça. C'est fini, phase 2, il a toutes ses ressources. Bon, par contre, c'est devenu un peu le bordel hein, ici. Et je ne sais pas si je vais pouvoir arranger tout ça. Alors, on va passer aux phases 2. Pour y aller, j'ai installé un petit raccourci. On va tout débloquer et on va voir qu'est-ce qu'on a débloqué en haut. Et on envoie. Parfait. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a débloqué là-dedans. Ouh, on a le pétrole. On a le pétrole. Ah, on va pouvoir finir nos recherches. C'est parfait. Il nous faut quoi? Des moteurs, du béton, du cuivre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Ouais, ok, on a le camion, on a des moteurs, des ordinateurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, de l'essence, de l'essence. Et le masque à gaz. Mais on va commencer à faire ça. Ah, ok. Niveau 6 aussi. On a fabricant d'essence. On a le jetpack. Après, on a les trains. Oh, on va pouvoir s'amuser avec tout ça. Ok, on a des tuyaux.
Et après, c'est phase 3 de l'ascenseur pour débloquer les derniers. Et avec cette magnifique vue sur notre usine qui commence à être vraiment le bordel, je vous dis merci d'avoir regardé. La prochaine fois, on mettra tout ce qui est pétrole en route. On ira le chercher. Je sais même pas où c'est pour l'instant. On ira chercher tout ça et mettre tout ça en place. Et on va continuer à tout débloquer pour voir quelle surprise ce jeu nous prévoit par la suite. Bon, merci encore d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.